remember what you did, by the way. Don't think me a fool just because we're doing business. Apparently, there's a rare panther out on the prowl. I was starting to worry that Gus McMillan might have lured you into his vile profiteering. A man whom, I recently heard, once slaughtered 20 elephants in Africa just because he lost a drunken bet. One day, this will all come back to him. So, I've been hearing about a panther that no doubt he's got his eyes on too. A majestic creature. If the reports are to be believed, I'd be interested to do some genetic analysis on such a distinctive example. If you could track it down and get me a sample? I will pay you for your efforts, of course. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. On se retrouve pour un nouvel animal légendaire. Enfin la panthère. Est-ce que ce serait pas la dernière série d'animaux légendaires? Ça je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné. On n'avait pas eu les panthères, la semaine dernière je crois qu'ils avaient rajouté deux panthères, là ils en rajoutent une en mission. Donc à voir. À voir si ce n'est pas la dernière des panthères. Donc petite mission vers le moine. Déjà 2 ans que Red Dead est sorti, hein, c'est ce que j'ai vu, Red Dead Redemption 2. Il y a 2 ans, je suis plus ou moins arrivé ici, et on était très nombreux. Allez, ça a mal fini. Je vais... J'ai pas écouté ce qu'il a dit. D'accord, donc ils se font éclater par la tempête, j'allais dire. Par la panthère, c'est chez moi qu'il y a une tempête, c'est autre chose. Ouais, on va prendre ça comme stuff, comme équipement. Donc, la petite panthère. Ça fait plaisir d'être ici, dans cette région-là, parce que je crois qu'elle n'a pas été très exploitée dans les missions naturalistes. Donc c'est cool de venir là. Ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que dans les prochaines années, je pense, de Red Dead Online, est-ce que le manoir il va pas être détruit après? Ce serait grave cool que ça avance en même temps. Normalement, ce serait logique. Oui, je peux regarder... Bah là je vois pas trop ce qu'il y a en fait parce que c'est une pelle qui est... Mais... Oui a sans doute laissé cette... Bah ouais. J'aurais tellement voulu que le jeu y rajoute abruti pour moi, juste à côté. Parce que bon là oui là... C'est du sang. Ouais c'est du sang. Tu peux venir mon cheval? Donc. Pour ceux qui... Parce qu'au moins, j'essaye de combler quand il se passe trop rien. Pour ceux qui ont pas suivi les actus qu'il y a pu y avoir sur Red Dead, j'ai pas fait de vidéo spécialement là-dessus parce que je trouve pas ça très intéressant. Bah, c'est très intéressant, mais tant que c'est pas concret, voilà, quoi, ça arrive pas. Donc là, je peux me permettre d'en parler. Il y a eu une... entre guillemets, fuite... Comme quoi, ce serait possible qu'il y ait des propriétés à... C'est quoi ce truc, c'est un sanglier ? Qu'il y ait des propriétés à acheter, dont certaines qui coûtent extrêmement cher en lingots. Donc ça, c'est à voir, hein, comme on dit. Bah, le Mexique, ça fait un moment où ça en parlait, tout ça. Donc on verra. C'est blindé d'animaux. C'est vraiment blindé. Là, je serais en chasse. Même si c'est très rare que je chasse maintenant, vu que c'est une vidéo que je dois faire. Bah, normalement, vous la connaissez tous. Hein. C'est le fait de donner les animaux légendaires à Crips, au marchand. Parce que ça monte énormément la barre. C'est tellement abusé. Donc, ça, c'est une vidéo que je dois faire. Quand j'aurai le temps. Et que j'ai envie, c'est surtout ça qui compte. C'est que je me force pas à faire la vidéo parce que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois où je me suis forcé à faire la vidéo tout ça
Et il a fallu que je m'y reprenne une ou deux fois, donc c'est chiant. Pour que ça. C'était pas prévu ça, je suis mort. Casse-toi. Voilà. Radical, hop, y a plus de panthère. Le moment gênant. Chiotre. Casse-toi, putain. Allez, hop, dégage. Ah, le moment gênant. Ah, j'étais tellement pas prêt. Je suis en train de découper. Et là, d'un coup, t'as l'autre qui se réveille et qui fait bonjour. Oh là là, j'étais pas prêt. Très très vénère en tout cas. Ouais, non, mais prends la peau, prends la peau. Excusez-moi, hein, je fais juste ça. Histoire de. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Parce que là, ils ont acheté. Bah, ils ont acheté. Ils travaillent déjà pas mal avec ce studio-là. Bref, c'est un studio qui est en Angleterre. J'ai vu son nom, Bundle. Je sais plus. Bah, bref, ils ont acheté plutôt, pas racheté. Ils ont acheté. Putain, j'ai cru que ça n'était une autre panthère. Mais c'est mon cheval. Un studio et qui a pour but de travailler sur un prochain jeu, voire même que ce soit eux qui fassent le prochain jeu, et qui sera un jeu multi, tout ça, de ce qu'on sait, bah de ce que j'ai pu lire en tout cas. Et je peux prendre mon chapeau, c'est pas grave. Et aussi de travailler sur Red Dead à partir de 2021, apparemment, voire même peut-être un peu avant. Donc ça fait plaisir, au moins de se dire que bon, bah, ceux qui travaillent sur Red Dead, il y a encore plus de monde qui y travaille. Je crois avoir vu des choses là à gauche, c'est pas terrible. Je vais me faire déglinguer. Au moins, ça fera plus de contenu sur le jeu. Si ça peut aider, tout ça fait plaisir, quoi. Je sais plus où il est, le cerf. C'est quoi comme animal ça? C'est sanglier. J'ai eu peur. Je sais qu'il y a un serpent dans le jeu. On a un gros serpent mort. Et je sais plus du tout où il est. C'est quoi ça comme animal? Je sais pas du tout c'est quoi comme animal. Donc il faut d'autres traces. Je vais juste hop. Merde. Ah mais elle est derrière moi! Je suis mort. Je suis mort, je suis tout simplement mort. Je voulais faire le rond. Ah, je voulais surtout sauter. Casse-toi, casse-toi. Ah, j'ai pas pu sauter. La 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 la. Je voulais l'esquiver. J'ai mal joué. Et il y a l'autre teubé. Mais là, je crois, là, ça va encore me focus. Ouais, c'est un truc vraiment. Non, c'est pas comme avec l'ours où l'ours était extrêmement vénère contre moi. Tu peux tuer le PNJ? Merci, bouffe-moi le PNJ. Et où cette salope? Ah, j'ai pris des dégâts malgré tout. C'est des animaux compliqués hein, quand même. Ah, c'est compliqué parce qu'en fait je veux l'anesthésier, c'est ça qui est le plus chiant. J'allais faire triangle, j'allais avoir peur. Bon, sympathique. Comme je dis, pas exceptionnel. J'ai bien aimé la zone. Voilà.
Mais c'est pas exceptionnel, c'est sympathique, c'est toujours mieux que rien. Voilà, j'aurais voulu quelque chose de plus poussé comme je le dis à chaque fois, mais c'est sympa. Puis là, c'est Panthère qu'on n'a pas eu, sauf la semaine dernière, on avait eu cet animal-là. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se trouve pour de prochaines vidéos, dont l'arc panthère, qui est vraiment stylé. Je vais vous montrer ça en vidéo la prochaine fois. Salut tout le monde!